Ok, salut à toi, c'est Dylan. J'avais envie de te faire une petite vidéo là, ma petite pensée du jour. Donc il faut savoir que je t'ai sorti il y a 2 jours ou quelques jours, bref, pourquoi je marche tous les jours. Je t'avais expliqué en gros que c'était un moyen pour moi de me parler à moi-même à voix haute, ce que je fais dans la nature quand je marche en forêt. Et il faut savoir aussi que je le fais également en voiture. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un truc que je fais également en voiture. Des fois quand je le sors, j'ai pas de musique dans la tête à écouter, que j'ai pas trop forcément envie d'écouter des musiques, et eh bien je coupe le son tout simplement, j'écoute le bruit du moteur de la voiture et je me fais des petites discussions moi-même. Donc là voilà, j'ai décidé de te sortir l'iPhone. Et aujourd'hui, thème de la vidéo, donc du coup j'avais envie de parler, et je me suis dit, mais j'ai pas envie de parler tout seul encore une fois, je vais prendre la caméra. J'ai oublié le titre, je suis trop con. Ah oui, sois patient dans le processus, voilà. C'est ce que la réflexion que je me suis fait aujourd'hui, sois patient dans le processus. Donc il y a quelques jours, je ne sais pas encore, je t'ai sorti la vidéo sur mes 3 ans de musculation. Ça va faire 3 ans voilà, que je me suis inscrit à la salle de sport. Donc voilà, je t'ai énuméré les trucs, ce que j'avais pu apprendre et tout, ce que ça m'avait appris, donc voilà. Et donc, en gros, sois patient dans le processus, la salle m'a appris ça. La salle m'a appris ça, être patient dans le processus, dans le sens où, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, une qualité que j'avais quand j'ai commencé la salle de sport, c'est bien que j'étais patient. Je me suis pas dit, putain, j'ai 10 de suite envie d'avoir des gros biceps, même si encore aujourd'hui ils sont pas énormes, hein, mais voilà, t'as compris. Voilà, je me suis jamais dit en commençant la salle, putain, j'ai envie que demain je sois le mec, le physique que j'ai aujourd'hui, quoi, pas du tout. J'ai été patient, donc ça, c'est plutôt une qualité que je me mets. Que je me mets personnellement, voilà. C'est juste que voilà, quand tu te lances à la salle, en fait, je vais pas faire l'ancien, tu vois. Moi, j'ai que 3 ans de muscu dans la gueule, hein, mais si vraiment il y a un truc que je peux te conseiller quand tu commences à la salle, c'est sois patient. Faut bien te dire que tu n'auras pas tes résultats du jour au lendemain, ça c'est clair et net. Faut bien que tu dises que voilà, ça prendra quelques mois, quelques années, selon ton objectif physique, bien sûr. Hein. Mais voilà, il faut vraiment être patient dans le processus. Et crois-moi que si tu es patient dans le processus, que ça te passionne un minimum et que tu t'y files. Quand je dis que tu t'y files, c'est que tu t'y donnes un petit peu, tu vois. Moi, pour être honnête, au début, quand je me suis inscrit en 2017, j'avais 17 ans, je m'y filais pas de ouf. Et puis, j'ai eu mes raisons perso qui m'ont fait que je me suis un peu plus démonté à la salle quand même. Hein. Car voilà, j'avais vraiment encore de ficello, gros. Disons les choses honnêtement. Et aujourd'hui, mon physique me satisfait. Et voilà, j'ai été patient, ça fait 3 ans. Et aujourd'hui, voilà, j'ai un physique qui me... j'avais utilisé ça, je sais plus dans quoi j'avais utilisé ça. Bref, excusez-moi d'utiliser cette expression, mais ça me fait rire. Il y a 3 ans, je bandais sur le physique que j'ai actuellement aujourd'hui. Et aujourd'hui, je l'ai, mais encore une fois, il n'y a rien de ouf aujourd'hui, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, on va utiliser un truc plus soft, je rêve d'un physique, en vrai, aujourd'hui, il me satisfait, franchement, si je me dis que je pouvais, si je me dis que si j'avais atteint ma limite naturelle, bien sûr que non, mais si aujourd'hui, on me disait, t'as atteint ta limite naturelle, en vrai, ça me va, franchement, ça me va. Je suis pas, tu vois, en vrai, c'est le genre de mec, quand je mets un blouson ou un sweat, je parais un mec lambda qui fait pas de muscu, mais quand je débâche, sans me lancer des fleurs, mais moi j'aime même bien et ça c'est le principal. Et donc voilà, pour arriver à ça, j'ai été patient dans le processus, même si c'est pas fini, hein, tous les jours on apprend. Mais et puis même pas que dans la muscu, hein, dans tous les sports, dans tes projets, par exemple YouTube. YouTube ça va faire 3 ans presque aussi, je crois. Ouais, 2019 aussi, je crois. Non, 2020, ça va faire 2 ans et demi, 3 ans. Et tu vois, j'ai pas explosé sur YouTube, j'ai clairement pas explosé. Et c'est là où tu vois que s'il n'y aurait pas un minimum de passion dans ce que je fais, parce que j'adore ça, j'adore faire des vidéos, j'adore parler, c'est là où s'il n'y aurait pas un minimum de passion dans ce que je fais, il y a longtemps que j'aurais arrêté, gros. C'est vrai que YouTube, je suis vraiment sec passion et je fais pas ça juste pour l'argent ou quoi que ce soit, parce que voilà, il n'y a pas énormément de... Tu vois, mes vidéos sont monétisées, mais je peux clairement pas en vivre. Mais voilà, c'est là où je suis patient. Ça va faire par exemple 1 an que je stagne au niveau d'abonnés, par exemple. Enfin, ça dépend en fait. J'ai vraiment des périodes où je vais monter d'un coup et des périodes où ça va baisser. Mais voilà, c'est juste que je fais ça par passion plutôt. Et puis voilà, après qui sait, hein, on sait pas à l'avenir, peut-être que YouTube ça va m'apporter des belles surprises et tout, mais c'est vraiment, je suis patient dans le processus aussi, parce que pareil, si YouTube, j'aurais pas été patient dès la première vidéo, j'aurais arrêté. Hein. Voilà, faut savoir, j'avais créé une petite chaîne avant celle-ci, c'est ma deuxième celle-là, peut-être qu'un jour je te la ferai, je te la montrerai. Elle existe encore, hein, j'ai plus les codes, mais elle existe encore, j'en ai un petit peu honte là pour le coup, donc vraiment si je te la dévoile, c'est vraiment qu'on est vraiment, on a atteint un niveau de ouf, tu vois. Mais voilà, YouTube, pareil, quand tu te lances, sois patient dans le processus, et ça va payer, faut vraiment pas que tu te prennes la tête. Faut vraiment que tu sois patient, c'est ça le truc, voilà, c'est, je veux pas faire le mec, ouais, moi j'ai cette qualité là, mais voilà, c'est vrai que pour le sport j'ai été patient et ça a payé, on peut dire. YouTube, je suis patient et voilà, aujourd'hui c'est pas dégueulasse, tu vois, on est presque 2000 les gars, donc c'est cool, à aucun moment, quand je me suis lancé sur YouTube, je me serais dit, mec, tu vas avoir 1000 abonnés. Déjà pour moi, rien que 100 abonnés c'était ouf, 500 c'était ouf, 1000 c'est ouf, là on est à 1000, presque, ouais, on est presque à 2000 les gars. On est presque à 2000, donc c'est vraiment cool. Mais à aucun moment, je me suis dit, je vais avoir 1000 abonnés, tu vois, en faisant tout ce qui me plaît. Parce que moi, comme je dis sur YouTube, je me bride pas, je fais vraiment ce qui me plaît. Donc c'est trop cool, c'est vraiment trop cool. Et puis voilà, les gars, n'hésitez pas à partager la chaîne si vous voulez. Voilà, j'incite personne à venir, juste je dis abonnez-vous et tout, mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, vraiment, les gars qui s'abonnent, c'est ceux qui aiment ma chaîne. Donc voilà, mec, sois patient dans le processus et ça va payer.
moi je voilà, j'ai pas encore accompli de grandes choses, hein. Tu vois, juste à la salle, ben, j'ai un physique qui me correspond et YouTube, ben, en vrai YouTube aujourd'hui ça me suffit de ouf, hein. Mec, je suis content, j'ai presque 2000 abonnés, c'est ouf, tu vois, je me suis dit, en vrai 2000 personnes, ça suffit pas d'avoir une grosse communauté, hein. Même si bien sûr mon objectif c'est, pourquoi pas, grandir sur la chaîne, hein. Mais en vrai 2000 abonnés, tu vois, c'est, on oublie souvent que c'est 2000 personnes, tu vois, on pense aux chiffres, mais 2000 personnes c'est énorme en soi. Donc voilà, mec. Petite pensée du jour, sois patient dans tes processus. En tout cas, moi je te souhaite vraiment que de la réussite dans tes projets, que ce soit physique, enfin sportif, professionnel. Je te souhaite que de la réussite et puis sois patient dans tes projets, gros, parce que crois-moi que le travail ça paye. Le travail ça paye. Faut pas se dire ça va payer dans un an ou dans quoi que ce soit. Peut-être que ça va payer demain. Tu sais, tu peux être vraiment surpris des résultats en fait. Donc voilà, juste sois patient dans tes objectifs et tu verras que tu seras surpris quand ça arrivera. Tu diras putain, déjà je suis récompensé et tu seras choqué. C'est la petite pension du jour, gros. Je te dis ciao parce qu'on est quand même sur la route, faire gaffe. Allez, bisous. Ah oui, aussi petit rajout que j'ai oublié de dire, c'est que depuis le début de la vidéo, je te dis en fait, ben, sois patient dans le processus, mais il faut savoir, j'ai oublié de te dire que je suis quelqu'un d'extrêmement impatient. Voilà, faut savoir que moi, quand j'attends un truc, je ne pense qu'à ça. Par exemple, je sais pas, je vais dire une connerie. Imaginons, je sais que je vais demain avoir mon nouveau téléphone. Enfin, pas demain, justement, dans une semaine. Pendant toute la semaine, tu peux être sûr que je vais penser qu'à ça. Et limite, à me rendre malade, un peu dans la nuit. Mais c'est très con. Hein. Je suis sûr qu'il y en aura deux, trois d'entre vous qui sont comme ça. Mais vraiment, dans ma tête, quand j'attends un truc, putain, mais j'y pense toute la nuit. Limite, ça m'empêche de dormir tant que j'ai pas ce truc. Tu sais, je pense à me dire, putain, est-ce qu'il va arriver en bon état? Est-ce que je vais l'avoir à temps et tout? Donc voilà, faut savoir que oui, je suis un mec extrêmement impatient. Voilà, je veux pas faire le mec qui est super patient. En fait, la seule chose, les seuls trucs dans lequel je suis patient, c'est dans le sport. Donc dans la salle, je me suis découvert que j'ai pu être patient dans ça. Et du coup, ben, sur ma chaîne YouTube, voilà aussi, je me rends compte que ben, je suis patient sur YouTube. Mais voilà, dans d'autres cas, je suis très impatient. Quand j'attendais, par exemple, je savais que j'allais chercher ma voiture. Mec, j'étais pendant une semaine, j'étais fou, j'étais impatient. Donc voilà, je veux pas faire le mec super patient dans tous les domaines. Non, non, il y a vraiment beaucoup de domaines dans lesquels je suis très impatient. Voilà, je m'agace assez vite. Mais voilà, c'est un travail comme tout, c'est un travail que j'essaie de faire sur moi. Donc voilà, je tenais quand même à le préciser en fin de vidéo, à le rajouter. Hein. Pas que vous croyez que je suis le mec le plus patient du monde, c'est complètement faux. Allez, je pense que là, j'ai tout dit pour le coup.